commence avec le soin d'eau exfoliant, donc c'est celui-ci. Donc je viens appliquer sur un visage déjà humidifié. Et en fait, il y a des petits grains dedans, mais vraiment très légers, pour bien nettoyer toute la peau. Ça fait comme un gommage, mais très doux. C'est un savon doux pour justement les peaux sensibles, fragiles, etc. Vous faites tout le visage avec. Et ça va retirer toutes les petites peaux mortes, vous refaire une peau vraiment toute nickel. Insistez bien sur le nez, les points noirs, les têtes de sébum, les taches, ça enlève tout. Une fois rincé, je prends le savon masque laitière. Avec de l'eau, je le fais mousser. Je récupère la mousse de lait et ensuite, je viens l'appliquer sur le visage. Et vous allez voir, ça va faire comme un masque qui sèche. Et voilà, donc en fait, ça donne ça. En fait, il se fige sur le visage. Ça vous permet d'avoir comme un masque. Et celui-ci, il est miraculeux. Moi, ça fait 2 à 3 ans que j'utilise tout le temps. Il est trop bien. Il vous enlève les boutons, les taches, le psoriasis, l'acné, l'eczéma. Vraiment pour une peau nickel, il est vraiment efficace. Je vais vous mettre des avant après de personnes qui l'utilisent aussi régulièrement et les résultats sont ouf. Donc là, vous laissez poser 10 minutes et ensuite vous rincez. Du coup, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je me suis préparée pour faire une après-midi plage. Depuis que je suis sur Dubaï, c'est vrai que j'ai fait pas mal de piscine parce qu'on va pas se mentir, il fait très très chaud. Là, ça commence à aller mieux. Il fait 30 degrés, mais quand je suis arrivée, il faisait 40. Du coup, quand on va à la mer, c'est vrai que c'est compliqué parce que l'eau, elle est chaude, c'est de la pisse, clairement. Que les piscines, voilà, l'eau est souvent climatisée, donc c'est beaucoup plus agréable. Mais là, comme il fait meilleur, on allait profiter un petit peu de la plage en ce dimanche. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Énorme coup de cœur. Déjà, rien que la robe, je vous explique, c'est une tuerie. Elle est hyper jolie. Elle est ceinturée un peu ici. Enfin, franchement, j'adore le petit volant en bas. Et alors, avec la paire de bottines, parfait. Là, honnêtement, dans cette tenue, une petite veste en cuir ne serait pas de refus. Il suffisait juste de demander. Petite veste en simili-cuir, les sœurs K. Voilà. Tout simplement, il y a tout pour faire vos tenues. J'aime trop. Franchement, alors, cette tenue, elle est trop jolie. Avec une belle petite pochette ou un beau petit sac, c'est canon. Chemise noire, voilà, on va pas se mentir, ça sert toujours. Petite robe chemise, c'est un basique, de la ceinturée, une paire de pieds, une paire de talons, voilà, c'est vraiment très chic et ça sert toujours. J'adore ce look. Bon, déjà, vous le savez, les joggings comme ça, j'en commande toutes les semaines parce que j'aime trop. J'adore les joggings basiques. Et j'adore, chaque hiver, ils font un peu des genres de gilets, gros pulls en maille boutonnée que vous pouvez mettre tout seul, que vous pouvez mettre avec des cuissardes ou que vous pouvez casser avec un jean ou un jogging. Et je trouve ça trop joli. J'ai pris deux ensembles comme ça c'est le premier. Bien, c'est qu'il y a plein de coloris différents. Donc j'adore, là par exemple, j'ai assorti la chemise. Enfin, c'est épais, hein, c'est en laine. Au jogging, voilà, couleur vieux rose un petit peu. J'aime trop, c'est trop mignon. Genre avec une belle paire de baskets ou une paire de bottines pour casser, c'est trop joli.